Thank you.
Cette différence entre la première et la deuxième mi-temps, où on avait vraiment pas décidé collectivement de reculer aussi bas et de défendre aussi bas. Maintenant, il y a des matchs, je ne sais pas si le changement a fait que le comportement de l'équipe a changé, mais bon, voilà, l'essentiel était là, on n'a fait que défendre en deuxième mi-temps, mais le score était déjà acquis, donc il fallait surtout pas prendre ce premier but comme Achilly qui aurait transformé la fin de rencontre en quelque chose de pénible. Il apprécie qu'hier à l'entraînement, on vient de perdre Martin, elle le dit. Il va falloir absolument essayer de récupérer tout le monde parce que les semaines qui arrivent sont difficiles. De ce côté-là, c'est quoi les verdicts? David s'est fait une luxation de l'épaule, mais l'épaule gauche. Ça faisait déjà 5 ou 10 minutes qu'il demandait à sortir parce qu'il avait une contracture à la cuisse. Donc la contracture me fait plus peur pratiquement que la luxation. Et Martin, ça a été un coup en torse à la cheville. Que encore? Non, en torse de la cheville. Ouais. Ah oui, c'était la droite ou la gauche. C'est sûr que c'est pas genou, parce qu'il se tenait aussi. Non, c'est donc Anthony Siki hier, on a pris le choix de. On a fait le choix de ne pas l'aligner aujourd'hui, pour ne pas prendre de risques, parce que il s'est un peu fait mal à l'inducteur en entraînement. Donc, en tout cas, un grand merci au staff médical, parce que les gens ne le savent pas, mais Ludovic Goliard a fait toute la deuxième mi-temps la semaine dernière sur une jambe. Et il a fallu des soins matin et après-midi. Fait par des bénévoles pour qu'il puisse être aligné ce soir. Il ne s'est pas entraîné de la semaine, il a fait 10 minutes hier, mais il faisait encore les soins ce matin. Et je dis bien, c'est pas parce qu'on n'est pas un club pro, mais les gens qui sont venus s'occuper de lui pratiquement 6 jours par jour, c'est des gens qui ont fait bénévoles. Merci à eux.